par là. Bonjour ma Miko, comment vas-tu? Tout va bien? Oui, et toi? Ça me fait plaisir de te voir. Merci beaucoup. Je t'en prie. Oh. Oh. Voilà, oh. Bienvenue à la maison ma Miko. Waouh, c'est le monde joli. Merci. Wow. Voilà, bienvenue. Ça Merci. Me fait plaisir de te recevoir. C'est chouette. Est-ce que tu veux un café? Ah oui, oui, s'il vous plaît. Merci. Un café? Oui. Oui, je vais te préparer ça. Merci. Merci beaucoup. Mais je t'en prie. Ok, Mamiko, est-ce que tu veux que je te montre la maison maintenant? Oui, s'il vous plaît. Ok, on y va. S'il te plaît. Merci. Alors voilà, Mamiko, ici, c'est oui. le salon. En fait, tu vois, mm-hmm. en France, tu as parfois le salon et la salle à manger mm-hmm. Dans la même pièce. Mm-hmm. Et ce qui nous a séduit dans cet espace, c'est cette Là. Verrière, en ouais. fait. Tu vois, quand on a visité l'appartement, oh, tout de suite, on s'est dit, waouh, cette lumière, c'est incroyable. C'est extraordinaire. Ouais, c'est très rare en fait. Oui. Tu vois, l'agent immobilier nous a dit qu'elle avait rarement vu ça quand elle nous a présenté l'appartement. Ça vient de quelle époque? Alors ça vient, on pense que c'est autour de 1900. 1900, oh. tu vois. Oui. Donc j'ai pas la date précise malheureusement de la construction de l'immeuble. Oui. Donc c'est autour de 1900. C'est vrai que tout le quartier de la Plaine Monceau, en fait, on est le quartier de la Plaine Monceau, a été un peu édifié à ce moment-là par Haussmann, le grand architecte Haussmann. Et voilà, donc ça nous apporte un puits de lumière et puis énormément de beauté. Pour moi, c'est très important, tu vois, de vivre dans la beauté. C'est pas forcément le luxe, la pageur, tu vois, mais en fait, j'ai l'impression qu'on a la chance, si tu veux, de vivre dans un bâtiment historique. Oui. Tu vois, dans un monument historique. Et en fait, on doit en prendre soin. Donc ça, c'est très important pour moi. Oui. Voilà, donc ça, c'est un peu la pièce maîtresse du salon. Du coup, ça nous apporte ce puits de lumière. Alors, il fait un petit peu chaud l'été. Oui. Mais c'est quand même très agréable parce que par ailleurs, on n'a qu'une fenêtre. Tu vois Donc, du coup, ça nous apporte vraiment la lumière supplémentaire. Donc, voilà. Et puis, donc on a décidé d'aménager le salon autour de la cheminée qui fonctionne. On fait du feu. Ouais, elle fonctionne. On fait du feu l'hiver, là. Bientôt, tu vois, peut-être au début de l'automne, on va commencer quand il fera froid à faire du feu. Les enfants adorent ça, moi aussi. Pour moi, c'est très important, tu vois, d'avoir du feu et du verre. Toujours de la nature, un brin de nature. Tu vois, là, j'étais en week-end en Normandie chez mon amie Virginie. Oui. Et dans son jardin, ben, il y avait profusion d'hortensias. Et donc, en partant hier, j'ai cueilli des hortensias. Ah, c'est bien, de jardin. Voilà, et des petites roses. Ouais. Et des petites, tu vois, des petites roses de jardin. Et c'est magique pour moi de ramener ça du jardin, tu vois. Waouh, c'est joli aussi cette vase. Ce petit vase, mercurisé, là j'adore. Ça, ça donne de la lumière en fait. Ah ok. Tu vois, c'est beau. Tu as acheté Alors j'ai acheté peut-être en brocante en fait. Oui. Tu vois, j'ai acheté en brocante, exactement. C'est joli. Exactement. Donc voilà, ça c'est le salon. Alors ce que j'ai voulu faire quand on est arrivé ici, bon bien sûr j'ai étudié tout le feng shui de l'appartement et donc j'ai étudié les emplacements, les orientations, extrêmement important, c'est la première chose qu'on regarde, mais aussi les couleurs, les formes. Donc pour les murs j'ai choisi une couleur de terre, tu vois, en fait il fallait un petit peu de terre, donc c'est un petit peu... C'est sable, un peu plus foncé, tu vois. Oui, un peu crème. Voilà, en fait, ça donne quand même quelque chose de très cocooning. Tu vois, pour moi, c'est très important, le cocooning. Et voilà, et en fait, ce tableau panoramique, on appelle ça un papier peint panoramique, je l'ai choisi avec mon mari, on a choisi ensemble, voilà, pour créer une perspective. Parce que je pense que dans nos appartements, qui ne sont pas forcément immenses, on n'a pas de jardin, on n'a pas d'extérieur, c'était important de créer une perspective, tu vois. Et quand tu es assis à table, notamment,
et que tu vois ça, mais en fait, ça, ton regard ne s'arrête pas. Mmh. Et du coup, tu pars un petit peu en voyage. Et en fait, bah, c'est au quotidien, c'est vraiment très agréable. Et au Feng Shui, travailler les proportions, les formes, les perspectives, c'est quelque chose de très important. Donc, et puis après, bah, on a des objets ramenés de voyage, on a des objets qui me tiennent à cœur, tu vois, comme ce vase qui vient du Pays Basque. Le Pays Basque, c'est notre deuxième maison, donc il y a une poterie qui s'appelle, à Ossès, qui s'appelle Goikoechea, et c'est très c'est important pour moi. J'aime beaucoup le couleur. Ah, la couleur est magnifique, vraiment. Et puis, il y a toujours un petit peu d'Asie chez moi. Parce que, outre... je suis vraiment intéressée des cultures Exactement. Je suis vraiment fascinée par la culture asiatique ancestrale, en fait, d'où le Feng Shui, mais aussi les voyages que j'ai pu faire là-bas. Et les miroirs, c'était toujours ici ou... Alors, ce miroir, écoute, ce miroir, il a une belle histoire, parce que quand nous sommes arrivés... quand on s'est marié avec Alain, on a acheté notre premier appartement qui était dans le quartier des Batignolles. Et on est arrivé le premier jour et on est allé déjeuner en terrasse. Et il y avait cette toute petite brocante qui avait mis ce miroir sur le trottoir. Et elle le vendait 100 euros. 100 euros et on a dit tout de suite, on prend, on prend. Et en fait, 100 euros. Wow. Incroyable, hein. Et c'était il y a 20 ans. Waouh, c'est... Et en fait, voilà, il nous suit depuis. Bon, tu vois, il n'est pas parfait. Il a des petits... Mais en fait, c'est pas grave, oui, tu vois. Et en fait, je l'adore, ce miroir. Et en termes de Feng Shui, c'est intéressant parce qu'il a la forme carrée et rond. Donc, pour les Chinois, le carré, c'est le symbole de la terre. Et le rond, c'est le symbole du ciel. Or, en Feng Shui, on étudie l'énergie de la terre et du ciel et comment l'homme se place entre les deux. Donc, si tu veux, c'est aussi, symboliquement, c'est quelque chose qui, pour moi, a une forte énergie. Voilà. C'est intéressant. Ouais. Et en France, dans les maisons, dans les demeures classiques, il y a toujours un miroir ou un tableau au-dessus de la cheminée. Et on appelle ça un trumeau. C'est, effectivement, ça donne voilà, plus d'espace visuellement. Et tu vas retrouver ça dans beaucoup de maisons, beaucoup de maisons traditionnelles. Voilà mon petit hôtel. Alors là, il y a mon petit hôtel avec le Bouddha de ma grand-mère. Ça vient de ton grand-mère. Ah voilà, donc je tiens énormément à cet objet parce que c'était un Bouddha qui appartenait à ma grand-mère. Je le trouve magnifique. Et oui, c'est comme un Bouddha protecteur en fait qui protège la maison et la famille. Tu vois. J'aime beaucoup ça, c'est joli. T'aimes beaucoup ça. Alors ça, c'est ma lampe palmier, tu vois. Pendant un déconfinement, j'avais besoin de... plus de lumière. Alors moi, il faut savoir que je suis fan des lampes, des bougies, donc tout ce qui apporte de la lumière. Je crois que surtout, j'avais besoin d'exotisme. Parce que comme on ne pouvait plus voyager, j'ai eu besoin, tu vois, d'une petite touche d'exotisme. Et j'ai trouvé cette lampe chez Zara Home, figure-toi. Zara Home, incroyable. C'est Zara Home. Incroyable. Et bien, elle est de très bonne qualité. Tu vois, j'ai du mal à la monter parce que j'ai tout monté moi-même, toutes les branches. Ça me semble que ça vient de Zara Home. Mais en fait, ça pourrait. C'est une réédition de lampes des années 70. Tu sais. Ça se faisait beaucoup, les lampes palmiers en rotin, comme ça. Ah, c'est joli. Et elle est très chouette. Elle donne une jolie lumière. Voilà, ce qui donne aussi une très belle lumière, c'est ici, on est à l'ouest, tu vois. Et en fait, le soir, tu as le coucher de soleil extraordinaire. Tu vois, quand j'ai choisi les rideaux, la femme chez qui j'étais m'a dit le jaune, c'est la garantie d'avoir du soleil tout le temps dans la maison. Et en fait, elle a raison. Ça donne toujours... aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de soleil dehors, tu vois, mais en fait, ça apporte toujours une lumière magnifique. Voilà. Et ça me donne quelque chose de très français. C'est vrai, tu trouves que c'est très français. Écoute, c'est un bar en fait, tu vois, les verres sont en dessous. Et quand on a des amis qui viennent boire un verre, bah, c'est toujours très convivial de pouvoir les accueillir comme ça. C'est pour l'apéro ? C'est pour l'apéro, exactement. En France, l'apéro, c'est fondamental. Et donc, nous, on commence à prendre l'apéro le jeudi soir. Jeudi soir. Parce que ça annonce le week-end. Ah, ok. Jeudi déjà, c'est... Ouais, donc on commence dès le jeudi. Ok. Waouh, je ne savais pas. Mais ça, c'est nous, dans notre famille. D'accord.
Et alors, ma dernière acquisition, oui. c'est oui. cette suspension que j'ai achetée à Biarritz, chez OpenMe, dans une petite oui. boutique de déco qui a une super sélection. Mm-hmm. Et en fait, je l'adore. Elle est très aérienne ouais. et elle donne un peu plus de lumière le soir aussi, mine de rien, au-dessus de la table. Donc, c'est pas mal. À mon avis, c'est très joli d'avoir cette lumière et lumière ouais. là pour mélanger des lumières différentes. Exactement. Mmh. Et parce qu'en fait, ici, mmh. tu vois, il n'y a pas de lumière au plafond, mmh. tu vois. Mmh. Donc, on a fait mettre, tu vois, sur la verrière, on a fait mettre de la lumière. Mmh. Et du coup, tu es obligé d'avoir plein de sources de lumière différentes. Et alors, moi, je suis très attachée à la lumière jaune, en fait, pas la lumière blanche. Mmh. Oui. Donc, ça apporte toujours de la chaleur. Et fauteuil rouge, c'est-à-dire quoi en feng shui? Alors, en feng shui, le rouge, c'est le feu. Ok. Et moi, je manque de feu. Parce qu'en fait, tu sais, le feng shui, c'est une pratique énergétique. Donc, on travaille avec les cinq éléments. On en reparlera si tu veux, le bois, le feu, la terre, le métal et l'eau. Et en fait, énergétiquement, nous, à notre naissance, on va avoir ces éléments-là en présence ou en déficience. Et moi, je manque de feu énergétique à l'intérieur de moi. Donc, je suis toujours attirée par le rouge, toujours attirée par la lumière, par les bougies. Parce que ce que je n'ai pas à l'intérieur de moi, je vais aller le compenser en allant chercher à l'extérieur de moi. Donc, ça va m'équilibrer, tu vois. Et on est tous comme ça, mais pas forcément avec les mêmes éléments. D'accord. Donc, c'est vrai que le rouge, pour moi, c'est une couleur importante. Donc, en fait, on avait ce canapé rouge dans un appartement qu'on avait il y a longtemps et on ne savait pas trop où le mettre. Et finalement, il a trouvé sa place ici. On s'en sert énormément, tu vois, comme un deuxième petit salon. Voilà. Oui, mais c'est très bon accent, cet espace, tu crois. Moi, j'ai besoin de couleurs. J'ai besoin de vivre dans la couleur. Tu vois. Tu vois que j'ai trouvé à Bordeaux. À Bordeaux. Il y a quelques années, en fait, à Bordeaux, il y a une super boutique d'art japonais. Oui. Et il y avait ce tableau qui m'a tout de suite appelée. Et en fait, toi, tu sais ce que ça veut dire. Harmony. Voilà. Waouh, voilà. Et ça, c'est incroyable parce que si tu veux, l'harmonie, c'est ma quête. Moi, je fais du feng shui, je fais du life coaching. Et en fait, l'harmonie à l'intérieur de toi, l'harmonie à l'intérieur de chez toi, c'est mon travail. Oui. Et en fait, c'est mon lifestyle, tu vois. Je vais te montrer la plus petite cuisine du monde, ma Miko. Elle est toute petite. Elle est toute petite, mais en fait, elle est. Donc, moi, pour moi qui aime cuisiner, c'est compliqué. Oui. On ne peut pas être à deux dans la cuisine. Mais c'est joli. Mais c'est assez joli, tu vois. En fait, il y avait ce marbre. Donc, en fait, on a gardé tout ce marbre qui est vraiment très beau. Oui, c'est très beau. Le placard était rouge. Nous, on les a repeints. Après, c'était ce bleu. Rouge. Ouais, c'était mieux. Rouge comme ça. Oui. Ouais, c'est plus. C'était trop de feu pour le coup, là, tu vois. C'était un peu aussi un peu rustique, tu vois. Donc, on a modernisé un peu. On a changé les poignées. Ah ok. Et parce qu'en fait, tu peux pas faire grand chose d'autre. Elle est tellement petite que tout est déjà très optimisé. Tu vois, il y a des placards. En fait, tu peux pas faire mieux que ça. Mais c'est bien parce qu'il y a beaucoup de placards partout. Oui. Finalement, on s'en sort. Alors, on a des fenêtres ici. Oui. Il y a de la lumière. Là, ça donne en fait sur l'escalier. Tu vois. Donc c'est rigolo. Et puis il y a cette vue assez marrante en fait. Tu vois, sur les toits de Paris. Il y a des toits. Ouais. Attends, et j'adore. Il y a beaucoup de toits. Ouais. Tu vois? Ouais, c'est vrai. Waouh, c'est vraiment Paris. C'est tellement Paris. Oui. Il y a toujours de belles lumières aussi le soir parce que le soleil se couche en fait un peu dans l'axe, tu vois. Donc bon, voilà, on est bien. Mamiko, je t'emmène voir la suite de la maison. Ok, merci. Alors, tu vois, ben voilà, ça c'est le. Encore l'Asie, tu vois. toujours présente. Oui, ça aussi c'est très important pour moi. Ici, en fait, tu es dans le centre de la maison. Tu vois, le centre, si tu prends le plan, c'est ici le centre. Et en fait, c'est très important ce que tu mets dans le centre en termes de feng shui, en termes d'énergie, parce que ça donne l'intention. Il faut avoir un centre dégagé, donc pas des gros meubles, voilà. Et tu peux mettre effectivement quelque chose qui symbolise l'intention. Donc là, tu peux y voir. La longévité, parce que c'est le symbole de ces grues, mais c'est aussi le couple.
Tu vois? Ok. Voilà. Oui, d'accord. Donc ici, on est dans un petit espace bureau. Ok. Tu vois qu'il y a une espèce de sas entre la vie sociale et la vie privée okay. qui va mener au chambre. Voilà, okay. On change de... Donc c'est, ici, c'est quand même plutôt privé. Donc, tu vois, on a aménagé un petit salon télé. Et puis là, il y a un petit bureau d'appoint que... C'est joli, petite... une petite niche, espace, en fait. Oui. Tu vois, j'aurais fait mettre des, tu vois, des trucs en liège pour pouvoir punaiser des choses. Bon, là, il y a tous mes livres de feng shui et tout ça. Et je m'en sers peu, mais c'est quand même très pratique, en fait. Tu vois, là, on a tous les dossiers administratifs. Ah ouais, ok. Voilà. Ouais. Alors, Mamiko, voici notre chambre. Ok. Hop là. Oh, c'était qui? Voilà. Oh, alors... Les mondes jolis. Écoute, on a la chance d'avoir une grande chambre. Oui. Et t'as raison, elle est ronde en fait. Oui, ronde. Ouais. Elle est ronde parce qu'on habite sur, tu vois, sur un angle de rue. Ah, ok. Et d'ailleurs, en feng shui, on appelle ça la ceinture de jade. Donc, ce sont des configurations assez propices. Et on est bien là, tu vois. C'est vraiment notre petit temple, notre petit domaine à nous. C'est pas le mot normal pour avoir des chambres comme ça. Non, c'est très atypique. Ouais, c'est très atypique. Nous, on aime beaucoup les. Tu vois, avant, on vivait dans un duplex. Et c'est vrai qu'on aime bien les espaces atypiques. Et on s'y plaît bien. Tu vois, elle est grande, elle est spacieuse, elle est lumineuse. Il y a quand même trois fenêtres. Elle est incroyable en fait, cette chambre. Trois fenêtres, c'est bien. Ouais. Oui. Donc, voilà. Et j'aime beaucoup les couleurs. T'aimes les couleurs, ouais. Ici, il fallait du tu vois, de l'énergie du bois. Donc, j'ai choisi ce papier peint fleur de lotus, enfin lotus de Farouane. C'est lotus, ok. Ouais, ce sont des fleurs de lotus. Et c'est vrai qu'il y a une dominante de vert, avec des objets aussi, voilà, qui me tiennent à cœur. Donc, ça, c'était la commode de mon arrière-grand-mère. De son mariage. J'y tiens énormément. Elle n'a pas de valeur. C'est joli. Mais elle est ravissante. Et puis, c'est l'énergie de mon arrière-grand-mère, tu vois, qui veille sur nous. Et j'étais très, très liée à elle. Donc je l'aime énormément. Et... Voilà, avec des objets chinés. Tu vois, ça, c'est chiné. C'est chiné, ok. Ça, je l'ai rapporté de Chine. Tu sais, c'est pour accrocher les pinceaux. Moi, je ne fais pas de calligraphie. Oui. Alors, du coup, j'y mets mes colliers. C'est bonne idée de mettre des colliers. C'était qui dans l'air. Et puis, pendant le confinement, tu vois, on a installé un bureau ici pour pouvoir travailler à la maison. Et parfois, je le bouge pour être près de la lumière. Tu vois, faire face à la fenêtre. C'est une bonne idée. Ça aide. Ouais. Très important de ne pas faire face à un mur toute la journée, un mur blanc, sinon tu t'ennuies et tu n'es pas très créatif. D'accord. Voilà. Okay. Donc, ici, on est bien. Oui, c'est très bien. Et voilà, il y a beaucoup de lumière. Donc, ici, tu as la salle de bain. Ça, c'est la nôtre, tu vois. C'est la salle de bain des parents. On ne l'a pas refaite, celle-là, parce que, tu sais, les budgets de salle de... On n'avait pas le budget, en fait. Donc, on a arrangé un petit peu l'existant. Mais elle est très agréable parce qu'elle a un Velux. Il y a une grande douche au fond. Et il y a une baignoire, donc tu vois, c'est parfait. Ah, c'est parfait. Et alors là, on continue et on va vers la chambre des enfants. Donc ici, tu vois, il y a nos dressings. Et on arrive chez les enfants. Hop. Et ici, c'est la chambre de Rose. Ah, ok. Tu vois, j'ai laissé des petits vêtements là pour... Rose. Voilà, Rose, et ben elle a une chambre rose. Ah, c'est pour ça que le mur est rose. C'est plutôt l'énergie de la pièce en termes de feng shui qui demandait un peu de feu. Donc, on a mis un feu yin, tu vois, très, très doux. La petite Rose, elle est bien là, tu vois. Elle fait des beaux rêves avec son petit oiseau. Enfin, voilà. J'aime beaucoup ça. Ah, moi aussi, j'adore ce papier peint. J'adore ces petits écureuils. C'est kawaii, non? Kawaii. Oui. Ça s'appelle Charlie. Charlie? Ouais, Charlie. Ça vient d'où? C'est français? Ça vient, je ne sais pas si c'est français. En fait, c'est une boutique qui s'appelle Au fil des couleurs. Au fil des couleurs. Et qui a énormément de possibilités de papier peint, de peinture. Ça, j'adore. Ça, c'est l'univers de Rose. Elle a 4 ans. 4 ans. Et elle a aussi hérité, tu vois, de mes meubles d'enfant. Ah, donc, en fait, ça, c'était mon armoire quand j'étais enfant. C'était ma commode quand j'étais enfant. Et c'était mon lit quand j'étais enfant. Donc ce lit, il a plus de 30 ans.
Oui. Et papa l'avait acheté en Italie. Tu vois, l'avait ramené d'un voyage en Italie. Oh. Et c'est super mignon parce qu'il est venu le monter à Rose il n'y a pas très longtemps. Oui. Parce que maintenant, elle a un lit de grande. C'est très joli. Et elle y dort super bien. C'est trop mignon. C'est vraiment chouette de se dire que les, tu vois, les objets... Oui. C'est ça le vintage, en fait. Tu vois, c'est... Oui. Tu, mes parents, ils ont conservé ça et c'est génial. Mm-hmm. On dit c'est le vintage. C'est ça. Donc voilà l'univers de Rose. Et puis à côté, il y a la chambre de son frère, petit Lancelot, qui est plus grand. Lancelot, il a 7 ans. Lancelot, il commence, tu vois, à décorer ses murs. Oui, on vient de lui acheter un bureau pour faire ses devoirs. Donc ça, c'est, tu vois, tout juste. Et puis, alors Lancelot, c'est des doudous. Beaucoup. Ah non, mais Lancelot, c'est... Il aime les doudous. Voilà. Oh là là. Et s'il pouvait avoir des nouveaux doudous toutes les semaines, ce serait vraiment le rêve de sa vie, tu vois. Oui. Combien? Il en a. Et encore, dans notre maison du Pays Basque, il y en a encore. Enfin, il en a peut-être 150, je sais pas. C'est... Il est marrant. Voilà l'univers des enfants, donc tu vois, chacun a son espace. Et en fait, on avait emménagé ici parce que il nous fallait 3 chambres quand Rose est née. Et donc, on a eu la chance de trouver cet appartement qui nous convient vraiment très bien. Oui. Et qui, est, c'est vrai, est typiquement parisien, en fait. Installe-toi, Mamiko. Merci. Alors, merci beaucoup. Je t'en prie, merci. Et ces petites cadeaux. Ah, merci, Mamiko, comme c'est gentil. C'est le, tu connais le chocolat? Mais non, Julien de Chenon. On a déjà goûté plusieurs fois. Waouh, merci. C'est trop chouette. Oh, que c'est joli. On adore le chocolat. Merci infiniment. De rien. On dirait une boîte de bijoux. Ah oui? Tu vois, on dirait un... Oh là là. Donc, tu peux goûter tous les... Oh là là, ce que c'est beau. Magnifique. Non, c'est magnifique. Merci. Merci beaucoup. C'est très, très gentil, vraiment. Et je crois qu'après avoir vu cette vidéo, il y aura quelques gens qui sont plus intéressés par le Feng Shui. Donc, s'il y a quelque chose que tout le monde doit faire pour améliorer sa situation, est-ce qu'il y a quelque chose? Oui, bien sûr, je peux te donner des astuces. C'est très important de partager ça. Alors, la première chose, c'est, tu vois, d'être, de se sentir en sécurité. Donc, par exemple, ton canapé ou ton lit... Toujours le placer dos à un mur, pas à une fenêtre, tu vois. Donc ça, c'est vraiment important. Ça t'apporte du soutien et de la sécurité. Là où tu ne peux pas regarder, en fait. Okay. Et à partir de là, travailler aussi ta perspective. Qu'est-ce que tu vois en face de toi? On a parlé de la perspective avec le papier peint panoramique. Pour moi, c'est extrêmement important. Qu'est-ce que je veux voir chaque matin quand j'ouvre les yeux en face de moi? Tu vois, c'est pas la même énergie, tu vas pas passer le même début de journée. Si tu ouvres les yeux sur un dressing qui est mal rangé et qui croule sous les vêtements, ou si tu ouvres les yeux sur une commode ou tes photos de vacances, tu vois, un joli tableau, un mantra qui est en face de toi. Donc ça, c'est très important, où que tu sois chez toi, d'avoir une perspective heureuse. Tu vois, une perspective, même si c'est tout près, mais d'avoir quelque chose qui est toujours agréable à ton regard et qui t'inspire. Autre chose, pour moi, qui est extrêmement important, c'est de s'entourer uniquement. S'entourer, être entouré uniquement d'objets à vibration positive. Tu vois? Donc, des objets à vibration positive, ben, c'est des objets qui te parlent, que tu aimes, que tu peux avoir à portée de voyage, des jolis objets que tu as rachetés. Même des objets dont tu as hérité de ta famille, il faut absolument que ce soit des objets qui ont une énergie, dont l'énergie se dégage favorablement, positivement. Donc, pas d'objets cassés, ébréchés, ou que tu n'aimes pas. Donc, ça va vraiment de la petite cuillère avec laquelle tu touilles ton café le matin à la serviette avec laquelle tu t'essuies en sortant de la douche, tu vois. Ça, c'est une question d'estime de toi. Voilà. Donc ça, ça permet de faire monter le taux vibratoire d'un lieu de vie. Pour moi, c'est très important, la circulation de l'énergie. Donc, pour faire circuler l'énergie, il faut commencer par ouvrir les fenêtres tous les jours. Tous les jours. Tous les jours, tu ouvres tes fenêtres 10 minutes et tu aères et tu changes l'air de l'énergie de la veille. Et puis, faire en sorte que dans ton intérieur, ça puisse circuler. Donc, tu ne mets pas des piles de carton ou des piles de magazines au sol. parce qu'en fait, le chi, c'est le souffle vital. Quand il va entrer dans une pièce, il va aller capter les informations, les premières informations qu'il trouve sur son passage. Et donc, si dans l'entrée, par exemple, quand tu rentres,
il y a toutes les chaussures de la maison en bazar, de la famille, et ben il va prendre cette énergie-là et il va aller la distribuer partout dans la maison, tu vois. Donc, tu as une entrée dégagée, propre, et c'est le cas partout dans l'appartement. D'accord. Je pourrais t'en parler pendant des heures. Oui, oui. Bah, merci. Merci, Mamiko. Merci infiniment. Merci, merci Yas. Merci. C'était trop chouette de vous recevoir à la maison. Merci, merci à tous les deux. Merci. Et vous êtes les bienvenus, mais quand vous voulez. Okay. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci. Et voilà, Mamiko, la visite est finie pour aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci. Merci, tu reviens quand tu veux. Yas aussi, vous êtes merci. Vraiment les bienvenus quand vous voulez. Donc, à la prochaine. On fait un petit dîner bientôt, non? Oui, 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 oui. Ok, avec Alexia. Bon retour. Merci. À bientôt. À bientôt. Merci. Salut. Au revoir. Au revoir, Yas. Au revoir.